et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes dimanche, hein, il est 10h30. Je viens de sortir de la douche, c'est pour ça que je suis un petit peu reluisante. Je vais aller faire un tour à Centracor parce qu'hier j'ai commencé un nouveau DIY pour la maison. Je vais vous montrer après. Et je voulais aussi commencer ce vlog avec bien sûr la magnifique nouvelle, le magnifique cadeau que vous m'avez fait. Nous sommes 7000, ça y est, sur la chaîne. Donc voilà, ça y est, on a passé les 7K. Donc écoutez ma foi, j'espère que ça va augmenter encore et que j'arriverai à atteindre l'objectif des 10 000 comme je me suis fixé pour l'année 2023. Donc si vous regardez ce vlog et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, c'est gratuit, abonnez-vous, partagez autour de vous la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à en parler à un maximum de monde autour de vous, partagez sur vos autres réseaux sociaux pour que tout simplement la chaîne puisse grandir et que nous soyons de plus en plus. Et en tout cas, je tenais vraiment à vous remercier. Je vais aller faire un tour à Centracor, parce que comme le dimanche matin, ça ouvre que de 10h à midi. Et puis, comme ça, au moins, je vais regarder si j'ai ma petite laine. Et puis, après, en rentrant, je vais faire ma vidéo pour demain. Royaume de la laine. On vient de rentrer, regardez-moi ces putios. Alors on a la petite qui est en plein soleil du coup, qui profite pour se réchauffer. Et monsieur Didi, du coup on a mis un drap, parce que normalement vous voyez c'est la mousse. C'est les trucs en mousse là. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, parce que monsieur a bien emballé. Et en fait ils grattaient la mousse et du coup en fait ils font ça. Voilà, ils font leur petit bazar. Voilà, ils font leur petit nid. Donc, voilà comment ça se passe à la maison. On vient de rentrer, du coup on est passé à Centracor, on est passé du coup vite fait au déstockeur alimentaire qui est ouvert le dimanche, et on est passé à Patapin du coup chercher du pain. Alors déjà je vais vous montrer la laine, alors comme ça, ça va rien vous dire, mais j'ai trouvé une belle laine comme ça, c'était la plus grosse, la plus épaisse que j'ai pu trouver, mais je vous montrerai pourquoi. Donc j'en ai pris deux, et on a trouvé les petits boutons, les petits boutons de porte, parce qu'à Action j'ai regardé, je suis désolée vous êtes mal cadré. J'ai à regarder, mais les modèles qu'il y a, ça m'intéresse pas. Donc, on en a trouvé comme ça à Centracor. Et c'est pour mettre sur la petite cabane la petite cabane des poubelles. Parce que du coup, ça va plus avec ceux qui y sont déjà. Donc, pareil, je vous montrerai. Donc, on a pris deux baguettes à pâte à pain. C'était la seule chose qui était ouverte le dimanche. Et du coup, des stockeurs alimentaires, on en a eu pour une trentaine d'euros. Vraiment pas grand-chose. On a pris déjà un lot de 30 œufs, c'était 4,70€. Ça vaut le coup parce que je crois que la boîte de 12, c'est au moins 3€, je sais pas. Je sais pas parce que nous, enfin, c'est vrai qu'on fait un peu moins les magasins vu qu'on fait l'anti-gaspi et le too good to go. Donc il y a des prix dont je sais pas trop. On veut faire des petites plantations là où il y a les rosiers. Parce que du coup, hier soir, on se disait, ce serait bien peut-être de rajouter des petites fleurs. Pareil, je vous montrerai. Et du coup j'ai pris, c'était 1€ le sachet, donc j'ai pris des pensées et des piottes comme ça. Voilà, on verra bien si ça prend ou pas. Monsieur a pris du coup du boudin à l'ancienne comme ça à 2,50€. Il y avait des petits chorizo comme ça à 2,90€. Le saucisson c'était 1€ les deux, j'ai pas les prix et sur le ticket comme je vous avais déjà expliqué c'est pas forcément très bien indiqué. Donc c'était 1€ les deux. Le jambon, du coup, c'était 3€ les 3. Voilà, le jambon basique. J'ai pris c'est pareil, je ne me souviens plus. Je crois que c'était 1€ et quelques. Des calélonies comme ça. Parce que comme on a de la viande hachée et de la sauce tomate et tout, c'est pour faire les calélonies nous-mêmes. Donc, voilà, j'ai pris une boîte de calélonies comme ça, sans rien dedans. Ça, c'était 1€ les 2. Si j'avais, j'aurais dû en reprendre 2. Mais bon. C'est le Tropicana Réveil Fruité. Je suis riche en vitamine C, voilà. Donc 1€ les deux, ça valait vraiment le coup. Les boursins, c'était 2€ les 3. 3 boursins comme ça. Parce que là, le frigo, il faisait un petit peu la tête. Hein. On ne s'est pas motivé à faire les courses. Des tranches de saumon comme ça. C'était 1,60€. Voilà. Donc, je ne connais pas trop. Ensuite, alors ici nous on aime la charcuterie, on aime le fromage, on aime le pain, voilà, on aime les choses bien grasses, hein. C'est comme ça, ça ne changera pas. La mousse de foie, 2€ comme ça. Les saucissons cuits à l'ail fumé au bois de hêtre, les 10 tranches, c'était
3 euros les 3. Et on a pris des petits bâtonnets qui étaient à 1 euro et quelques. Et puis après, j'allais filmer ma vidéo du coup pour demain. Et puis de toute façon, après, c'est live à 17h. Donc voilà un petit peu, je pense, pour aujourd'hui. Bonjour, bonjour. On est lundi. Il est 10h moins 10, un truc comme ça. Je suis levée depuis 7h. Je me suis réveillée avant le réveil. Et du coup là on a été faire un petit tour à Action. J'ai trouvé la petite palette en diamant, mais j'ai pas trouvé la Dusk. Et comme ça ce soir je vais pouvoir vous faire le crash test de la petite nouvelle palette de chez Action. C'était celle qui m'intéressait le plus, donc ça va. J'ai trouvé les petits patchs hydrogel aussi, donc je suis contente. Et puis là on va aller faire un tour à Nose, voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, ce matin on se balade. Et puis bah écoutez, pour un lundi de Pâques, il y a quand même quelques magasins d'ouvert, Action, Nose. C'est juste que du coup, au niveau des horaires d'ouverture, c'est pas la même chose. Mais sinon, voilà, il y a quand même quelques magasins d'ouvert. Il n'y a pas grand monde, donc on est tranquille. Comme ça, au moins, on peut se balader un petit peu. Et je suis trop contente d'avoir trouvé la nouvelle palette. Donc, on va aller faire un petit tour à Nose. Hein, j'espère trouver des petites pépites. Il est 12h58. Attendez, je vous mets dans le jour. Il est 12h58. Je viens de filmer 2 vidéos. J'adore les petites boucles d'oreilles de chez Shein. Elles sont trop mignonnes. J'adore mon petit pull rose comme ça. J'adore mon petit look du jour. Là, ça se noircit, donc ça va. Heureusement que j'ai pu faire mes vidéos avant que le temps commence à se noircir un peu. J'ai tout mon bazar à ranger. Là, il faut de toute façon que je fasse le montage de la vidéo. Comme ça, ce soir, vous aurez le crash test. Demain, vous aurez le haul nose. Et puis, voilà. Il faut changer un petit peu mon bazar. Il faut que je fasse ma laine un petit peu aujourd'hui. Il faut que je fasse maîtresse. Ah bah oui, du coup je vous ai toujours pas montré, attendez je vais vous montrer. Voilà mon projet, donc en fait vous voyez j'ai le côté, c'est une armoire hein, et le côté est blanc et en fait blanc moi ça me déprime un peu. Donc en fait j'essaye, mon chéri du coup a fait un support comme ça, donc de chaque côté de l'étagère ça descend comme ça pour que je puisse attacher. Et le seul petit truc que j'ai pu trouver en fait c'est de tresser la laine. Donc en fait je vais faire un rideau de laine, donc du coup je suis avec cette laine là, ouais, j'ai collé des stickers sur l'étagère du coup, ah, attendez focus, hein, il va se mettre. Et du coup ouais, je vous avais montré du coup c'est la laine de Centracor, donc voilà, j'avais cette laine là que j'avais acheté à Nose, mais le problème c'est que j'en aurais pas assez et j'arrive pas à en retrouver. Donc je vais faire avec celle là et du coup je vais faire tout un, les deux côtés en fait en laine. Donc j'ai pas mal de boulot parce que je sais pas combien de tresses il faut que je fasse quoi. Donc j'ai pas mal de boulot à ce niveau là. Mais voilà du coup pour le projet DIY du moment. Et là faut que je range tout mon bazar, ouais, j'étais avec mon yop. Là faut que je range tout mon bazar. Demain il faut que je passe à la poste parce que j'ai un recommandé à déposer. Et puis écoutez, pour aujourd'hui il y aura pas grand chose. Je vais ranger, faire du montage. Et puis ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui parce qu'il est déjà 13h. Je vais peut-être aller manger un petit bout aussi. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. Bonjour, bonjour, on est mardi 11. Il est 11h, un peu plus d'11h. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de me préparer du coup pour filmer. J'ai la voix, c'est compliqué. J'ai avalé ma salive en sortant de la douche et je me suis étouffée. Donc du coup j'ai du mal un peu à m'en remettre. Je sais pas ce qui s'est passé, je me suis réveillée, j'ai pris peut-être un coup de griffe cette nuit, je ne sais pas. Et là j'ai un bouton qui me pique, donc du coup j'essaye de pas toucher, mais bon bah je rougis vite. Hein. Voilà un petit peu l'état du matin. Je mets mon petit baume à lèvres de chez Action. J'en mets pas mal parce que c'est un peu compliqué. J'ai mis ma Kiko, je l'ai presque terminée, donc ça je suis contente. Je vais mettre mon fond de teint comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Je vais le secouer un petit peu. Aujourd'hui, écoutez, ma foi, il fait pas moche, il fait pas magnifique. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Nous, de toute façon, on n'a rien fait de spécial. Hier, j'ai tourné 2 vidéos. J'ai fait du montage, voilà. Et aujourd'hui, du coup, c'est les boulots aussi. Tout à l'heure, cet après-midi, il faut que j'aille à la poste hein, déposer un recommandé. Et puis, faire le montage de cette vidéo pour demain. Attention, je suis en avance. Bravo. Et voir ce que je vais vous faire pour jeudi, parce que j'ai pas d'idée.
Oui, je sais, ce fond de teint est trop foncé. Mais je l'aime trop dans cette teinte-là. Et puis de toute façon, après, avec la poudre, il va... Il faut vraiment que je teste le... Cette semaine, il faut qu'on teste les gouttes. J'ai toujours pas testé les gouttes de chez Action. Le sérum bronzant. J'ai bien envie de le tester. Après, je pense qu'il faudra que j'en mette aussi sur mes oreilles. Parce que sinon, j'aurai les oreilles toutes blanches et le teint tout... tout bronzé. J'ai mal à la gorge, je vais m'être étouffée comme ça. Voilà un petit peu pour aujourd'hui, rien de foufou. J'ai mis mon petit t-shirt de chez Shein. Et pour l'instant, j'ai pas froid. Je sais pas ce que je vais mettre avec comme petite boucle d'oreille. Où j'avance aussi dans ma laine, parce que hier j'ai pas du tout avancé. J'essaye désespérément de tourner une série sur Netflix. Je sais pas si ça vous le fait, mais à chaque fois que je finis une série, je suis triste. Et j'ai l'impression que toutes les autres séries ne seront pas, seront pas à la hauteur de la série que j'ai vue. On va essayer de camoufler un peu la tache rouge là, mais on va essayer de mettre ça avec un peu d'anti-cerne après. Donc oui, la série Netflix est toujours compliqué à trouver. Pourtant c'est pas ce qui manque. Hein. C'est pas ce qui manque. Je vais mettre mon anti-cerne. Je vais changer un peu, je vais mettre le Lovely parce que je mets toujours le Max & More. Mais il faut que j'utilise aussi les autres mes autres anti-cernes que j'ai quand même. Là du coup cette semaine, aujourd'hui on est déjà mardi. On est déjà mardi. Le chéri, je ne sais plus si c'est en fin de semaine ou en début de semaine prochaine qu'il va aller chercher ses lunettes. Je crois qu'on n'a pas de rendez-vous cette semaine. Donc voilà. On peut bosser tranquillement sans me précipiter. Faut que je fasse un coup de balai en bas, en haut après. C'est quand vous avez quatre petits chats à la maison, je peux vous assurer que la litière, vous en retrouvez partout. Calico, arrête pas de m'ouvrir le dernier tiroir. Alors pas de ce côté-là parce qu'il est cassé, mais de ce côté-là. Il n'arrête pas de me l'ouvrir du tiroir. Des choses qu'il faisait jamais avant. C'est juste pour m'enquiquiner. Voilà un petit peu. Ah oui, je devais mettre de l'anticerne aussi un peu sur ma tache rouge. On va essayer un peu. Je vous prends du coup un peu là parce que je ne sais pas. Ah, vous voyez, c'est efficace l'anticerne. Voilà, comme ça, ça se verra pas. Impeccable. Bon, il y a encore un tout petit. Mais au moins déjà ça va atténuer. J'ai des bébés cheveux, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que cet après-midi aussi on va mettre les petites graines qu'on a achetées au déstockeur alimentaire, on va les planter. On verra bien. J'ai acheté aussi un... De toute façon vous aurez vu le haul Action parce que c'est pour vendredi. J'ai acheté une barquette à Action à 3 euros. Bon, je suis avec la coco. Hein. Je mets que celle-là maintenant. Une barquette à 3,99 €. C'est une mini-serre, ils appellent ça, à Action. Où vous pouvez mettre planter des radis, des brocolis et des racines. Je n'ai pas compris si c'était des racines de carottes ou des racines. Est-ce qu'il y aura la racine, c'est un légume? Je ne sais pas. Vous savez que moi, les légumes, on n'est pas à Miami. Donc, quand je refais le haul Action, on testera ça aussi, je pense, la semaine prochaine. J'adore cette poudre. Mais je poudre beaucoup parce que j'ai la peau très grasse, tout simplement. Je suis désolée si je ne regarde pas forcément, mais comme du coup j'essaye de me préparer
avant que ma motivation ne me laisse, parce qu'en ce moment, la motivation s'en va aussi vite qu'elle arrive. Donc, quand je vois que je suis motivée, bon, je me dépêche pas, mais je fais tout de suite maintenant, comme ça. Là, en ce moment, ça va, j'ai un bon rythme, entre guillemets. Je me lève. De toute façon, c'est toujours un peu, c'est toujours la même chose le matin. Je me lève, je prends mon café. Soit moi, soit mon chéri, on a déjà fait les litières, on passe le balai. Je prends mes médicaments, je vais me laver. Dès que je suis lavée, en général, je reprends mon petit café. Je monte pour faire ma vidéo. C'est pour ça qu'en général, il est midi à chaque fois quand je vous prends. Et bon, après soit je mange un bout, soit je fais le montage dans la foulée. Et puis après l'après-midi en général c'est tranquille, sauf si on a des trucs à faire. Mais en ce moment je me repose beaucoup l'après-midi. En même temps avec le traitement ça me fatigue beaucoup aussi. Donc si vous entendez du bruit, c'est parce que le chéri est en train de refaire le toit de la terrasse. Faire ou défaire, c'est travailler. Écoutez, ça l'occupe. Même s'il a énormément mal au bras. C'est pas évident. Là, du coup, je vais vous faire la vidéo. Les petits cheveux partout. Je vais vous faire la vidéo sur les applications slash sites. Parce que de toute façon, c'est des applications, mais c'est des sites aussi. Hein. Vous les retrouvez, si vous n'avez pas de smartphone, vous les retrouvez aussi sur un PC. Hein, pour du coup économiser. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo bon plan, mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour avec toutes celles que je vous ai déjà fait. J'ai l'impression d'avoir déjà parlé un peu de tout. Et là du coup j'ai vu quelques petites choses et puis refaire un récap du coup sur ce que j'utilise, sur ce que je vous montre en vlog, mais comme tout le monde ne regarde pas forcément mes vlogs, donc là aujourd'hui je vais faire la vidéo un peu récap des applications bon plan. Donc quand ce vlog sortira, la vidéo sera déjà sortie. Et bah, j'aimerais bien recevoir des échantillons aujourd'hui, hein, avec le jour férié. J'ai beaucoup de choses qui doivent, je pense, arriver, mais qui n'arrivent pas forcément jusqu'à ma boîte aux lettres. Donc les échantillons, je sais pas, sinon je vous ferai la vidéo quand même pour jeudi. Le blush, je vais pas montrer le petit lady. Je vais mettre le Wet n Wild. Ouais, sinon je vous montrerai déjà ce que j'ai. Je vous montrerai jeudi. Ou ça se trouve, jeudi, vous aurez une autre vidéo. Vous savez, avec moi, moi je suis quelqu'un de. J'aime programmer, mais en même temps, voilà, ça peut tout le temps changer avec moi. Donc c'est pour ça que j'aime pas filmer mes vidéos en avance. Parce que déjà, je trouve que. Enfin, moi pour moi. Bah, si j'ai besoin de vous rajouter quelque chose dans la vidéo ou de vous dire quelque chose, le fait de vous faire un peu les vidéos au compte-goutte aussi, ça me permet d'être vraiment là, en fait, au moment, à l'instant T, en fait, vraiment être... pas vous faire une vidéo il y a 6 mois. Après, je comprends ceux qui le font, hein, je juge pas. Mais moi, j'arrive pas à le faire, en fait. J'arrive pas, je pourrais filmer des vidéos en avance... En fait, ça, j'arrive pas à le faire, parce que, en fait, j'ai toujours quelque chose à vous dire par rapport à, je sais pas, à ce qui se passe en ce moment, ou je sais pas. Moi, il faut que ça soit... voilà. Je sais pas trop si vous me comprenez, en plus, comme d'habitude, je suis jamais mes phrases. Jean-Michel à moitié. Mais voilà, j'arrive pas à pré-filmer mes vidéos, en fait. J'arrive pas du tout... Et j'ai mis mon petit... Ah, les petits colliers. Là, c'est tous les petits colliers. Je sais pas si je vous avais montré cette partie-là. Faut que je vous montre mes boucles d'oreilles aussi.
Ça, je sais pas si je vous... Je pense que je vais vous le montrer dans le vlog. Parce que faire une vidéo... Je sais pas, je sais pas, j'ai pas mal de petites choses à vous faire, mais du coup, je ne sais pas, je sais pas dans quel ordre, quoi. Comme je vous dis, je le fais au feeling, en fait. Quand j'ai envie de faire la vidéo, bah, je la fais. Et des fois, il y a des vidéos que j'ai pas envie de faire tout de suite. Pourquoi? Je ne sais pas, moi, il m'a... Attendez, je prends mon spray fixateur. Le mat fixe, hein, comme d'hab. Moi et mes... Et ma psychologie. Voilà, en tout cas, ouais, ça m'enquiquine bien le fait que j'ai pas été. Je serais pas remboursée de. Pour les 75 euros du psychiatre. Parce que si vous n'avez pas suivi dans le live, en fait, donc j'ai décidé d'être suivie par un psychiatre. Et donc la consultation, après chaque psychiatre, c'est pas le même montant. Hein, ça dépend s'il y a des dépassements d'honoraires, des choses comme ça en plus. Et du coup en fait bah, j'en ai eu pour 75 euros de la consultation, sauf que j'avais voilà, c'est un budget, vous comprendrez. Et en fait je me suis dit de toute façon c'est remboursé par la sécu, donc bon voilà, ça va le faire quoi. Sauf que vous avez des décomptes avec la sécurité sociale, vous avez 1,50 € par médicament, 1 euro par visite médicale, choses comme ça, vous voyez. Et moi qui n'ai jamais été malade et qui n'a jamais eu de remboursement, en fait, je range en même temps, de remboursement sécu. Du coup, ils m'ont fait le décompte de tout ça. Ils m'ont défalqué, en fait, hein, du montant qu'ils devaient me rembourser. Parce que du coup, sur 75 euros, ils prenaient en compte 50 euros. Et c'est 70% de 50 euros qui est remboursé. Donc, il y en avait pour 34 euros et quelques de remboursement. En fait, ben, du coup, tous ces 1,50 €, parce que moi, j'ai un traitement depuis des années avec la paroxétine, la pilule. C'est le seul médicament que je prends depuis... la pilule, c'est depuis toujours, hein, voilà. Et la paroxétine, ben, ça fait 6 ans. Et du coup, des 1,50 €, tout ça... Vu que j'ai jamais eu de remboursement de la sécu, en fait, eh bien, ils me l'ont, du coup, défalqué de mon remboursement psy. Voilà. Ils ont pris en compte... La date, hein, des premiers 50 centimes à 1 €, c'est 2019. Et là, ça s'est arrêté à mars 2021. Donc, c'est-à-dire que j'ai rendez-vous dans une semaine, je crois, chez le psy. Il m'avait donné deux semaines, un rendez-vous, là. Et mars 2021, en sachant qu'on est avril 2023, donc je ne serai pas non plus remboursée de la prochaine échéance, quoi. Et si j'ai un troisième rendez-vous, je ne serai pas remboursée. Donc financièrement, c'est le bordel, hein, c'était pas du tout compté. Je peux pas annuler parce que je prends un traitement quand même assez lourd, donc il faut quand même que je voie avec lui... Voilà, si on continue, parce que mon traitement, c'est sur 2 semaines, mais les traitements comme ça, on ne peut pas les arrêter. Donc voilà, Miss Poisse est de retour. Écoutez, ma foi, ça fait partie de la vie. Mais sachez, en tout cas, si vous avez besoin de consulter, que c'est remboursé, sauf si vous êtes comme moi, et que vous prenez des médicaments sans jamais avoir eu de remboursement sécurité sociale. Faites attention. En tout cas, je parle en France. Après, dans les autres pays, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, écoutez, voilà, hein, c'était pas du tout prévu comme ça. Bah écoutez, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc voilà un peu l'update. Donc on verra. On verra, mais... Je vous jure. Puis comme je suis pas en ALD, un truc comme ça, moi mes soins je les paye plein pot. Hein, et ben, elle est belle la France. Donc j'ai quand même envoyé un mail à ma mutuelle avec le décompte sécurité sociale pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent... S'ils vont me rembourser quelque chose. Comme c'est des choses assez spécifiques, je suis pas sûre que la mutuelle rembourse quoi que ce soit. Quoi. Mais voilà, il n'y a pas de honte à aller consulter.
Si vous vous sentez mal, si c'est compliqué pour vous, franchement, il n'y a aucune honte. Aucune honte. Je le prends pas. Je dis ça, c'est facile, hein, parce qu'au fond de moi, c'est compliqué. Hein, mais. À un moment donné, en fait, on peut. C'est comme quand on. Je prends toujours cet exemple-là, mais c'est comme quand on a mal à la jambe, en fait. À un moment donné, on n'est pas surhumain, on n'est pas. Il n'y a pas des robots. Quand on a très très mal à la jambe, bon, on va consulter. Ben là, c'est pareil. Quand votre cerveau part en vrille et que c'est insoutenable, au quotidien, dès le réveil jusqu'au soir, passez votre journée à refaire votre vie, à vous dire tout ce qui ne va pas, à penser à tout le temps à ce qui peut arriver, ce qui. À vous refaire tout le temps, et que c'est bien insoutenable, il n'y a plus de concentration, il n'y a plus de motivation, il n'y a plus de joie de vivre, il n'y a plus rien, bah, c'est que vous n'êtes pas bien, c'est que vous êtes malade, et c'est qu'il n'y a pas de honte, aucune honte. Et ceux qui vous diront le contraire, bah c'est que tant mieux pour eux, hein, s'ils n'ont jamais connu ça, mais encore une fois, c'est comme... C'est comme avec ce qui nous arrive pour mon chéri, vous savez. Il a 34 ans, il n'a pas demandé à être autant malade. Ça lui est arrivé, ça nous est tombé dessus du jour au lendemain. Tant mieux si vous avez la santé, si vous êtes en forme. Mais sachez que ça peut arriver à tout le monde, tout ça. Le jour où ça arrive, on n'est pas prêt. Surtout pas aussi jeune. Voilà, mes sourcils. J'aime bien le petit rose là, de. En plus, il va bien avec mon petit rose. Je sais pas ce que je vais faire comme make-up. J'ai envie de couleur. Voilà, ça y est. Depuis que j'ai fait la palette Jeffree Star, j'ai envie de couleur. Je vais prendre la Bright. Elle est trop belle. J'ai envie de faire du rose. Et du coup, à cause de la couleur de mon t-shirt et j'ai envie de faire du rose, la Bright. Elle est vraiment trop trop belle. Regardez-moi ça. Je vais. J'ai envie de toutes les mettre. Oh non, j'ai mis mon ongle dans un. Je vais prendre un petit pinceau. Si vous entendez du bruit, hein, c'est le chéri qui bricole. J'arrive pas à retrouver un pinceau qui soit comme le Zoeva 231. J'ai des pinceaux fluffy, j'en ai plein. Mais un pinceau qui soit vraiment comme le 231, j'arrive pas à en trouver, j'en ai pas. Et à chaque fois, du coup, c'est un peu la galère. C'est lequel, celui-là? Je vais prendre celui-là, il ressemble pas du tout, mais écoutez. Bah, écoutez, on va faire un petit chit-chat make-up hein, dans le vlog. Hein. Parce que de toute façon, je pense qu'il ne sera pas énormément intéressant. Je pense que je vais prendre la dragon fruit là. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez. Oh là là. Je ne suis pas une étudieuse. Oh, il y a des violets aussi. Dragon fruit. Attendez, oh là là, je suis pas douée de mes mains. Dragon fruit, on dirait un Pokémon. Ah, avant que je prenne le essence. Non, dragon fruit. Beauty Bay va encore. Oh, il est beau. Va encore me tâcher mes pinceaux, mais c'est pas grave. Franchement, la pigmentation Beauty Bay, incroyable, incroyable. Incroyable. Ça m'aura-t-il en violet, je pense. Je crois que je fais beaucoup de roses en ce moment, mais bon, écoutez.
J'ai envie de mettre de la couleur. Alors, je sais pas si ça vous plaît, mais en ce moment, du coup, vous avez plein de crash tests, maquillage, hein, et encore, j'ai encore plein de palettes à tester. Je suis désolée, j'aimerais bien tester la petite Marie, faut que je la teste. Mais peut-être que du coup, on la testera en vlog. Parce qu'au niveau des vidéos, du coup, c'est un peu serré des fois. Et du coup, je pense qu'on la testera demain. Bon, on sera encore dans les roses. Mais demain ou quand je filmerai mon haul action. Ça va être une semaine make-up rose, hein, écoutez. Faire ce qu'on a envie dans la vie, c'est important. Pas que j'oublie que j'ai ma vidéo à faire après. Pas que je me dise, ah bah ça y est, j'ai filmé ma vidéo. Non, c'est juste le vlog. Oh, elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles, belles, belles. Comme le jour. Qu'est-ce que j'ai pu écouter ça chez ma grand-mère? Avec le tourne-disque à l'ancienne, avec les gros vinyles. Oh là là. Le pire, c'était Claude François, le téléphone pleure. Oh là là, qu'est-ce que j'ai. Et Elsa là-bas. Non, t'en vas pas. T'en vas pas. Qu'est-ce que j'ai pu écouter ça? Plus on vieillit, plus on est nostalgique d'avant. Ça, j'ai remarqué depuis quelques années. Avant, je disais toujours, ouais, c'est nul. C'est nul tes trucs. Et puis arrivé à un certain âge, après vous vous dites, oh mais c'était trop bien, ça me manque. Hyper bizarre. Voilà, elle est magnifique rose. Je vais prendre le flamingo là. Je pense pas que je vais faire plus de. À moins que je fasse un violet là. Un tout petit pinceau. Parce que si je mets le violet là, ça va aller. Donc je vais mettre le noir. Violet. On va mettre le drama queen. On va mettre le drama queen là. Je tapote parce que sinon j'ai des chutes, je crois. Moi, je suis pressée de finir mon rideau là. Enfin, mon rideau. Mon DIY. Mais je me suis rendu compte que c'est pas en regardant les choses que ça avance. Il suffit pas de les regarder pour qu'elles bougent toutes seules. Il va vraiment falloir que. Après-midi, j'en fasse au moins. Allez, quel objectif on se donne? 3. Allez, ouais, c'est bien. 3. Là, si j'arrive à en faire 3. Ouais, du coup, je vais mettre le violet en ras-de-cils. Mais pauvre, c'est pas un vlog énergique, hein. Désolée. Oh, elle est beau. Bon, essayer de faire la même chose de l'autre côté. Ça, c'est toujours le plus dur. Ouais, du coup, vous allez avoir une vidéo au bon plan. Ça va changer un petit peu.
J'arrive jamais à refaire la même chose de l'autre côté, forcément. En même temps, on n'a pas les yeux symétriques. C'est tellement beau. Je vais prendre un pinceau avec rien pour essayer d'estomper un peu là, quand même. Une première fois. Oh, c'est magnifique. Oh, j'ai bien fait de mettre le violet. J'ai bien fait de mettre le violet. J'espère que vous verrez bien dans cet angle-là. Est-ce que je fais mon tilt tout de suite? On va faire le ratil tout de suite. Alors, un petit pinceau ratil. Un petit pinceau ratil. On va prendre Morphe X Nyan. Ça se fait plus, je pense. D'ailleurs, Morphe, je sais pas si ça va continuer longtemps. C'est joli ça. Pareil, de l'autre côté. Comme on vient flouter. Bon, c'est très joli ça. Heureusement que je vous le fais en vlog parce que je suis sûre que vous allez me demander avec quelle palette t'as fait ton maquillage. Ça fait du bien d'avoir envie de se maquiller, de se concentrer un peu plus. Ça me fait du bien. Je vais prendre. Alors du coup. Oh, il est beau lui. Celui-là. J'ai pas envie que ça fasse un truc trop. Mais en même temps. Juste que je voulais prendre le flamingo. Qui est un rose rose rose. Le flamingo avec le candy. Le flamingo avec un... Ouais. De toute façon, je pourrais pas mettre toutes les couleurs sur moi en une fois. Donc ouais, on va mettre le flamingo. Et le petit candide en coin interne. Oh, si c'est beau. Waouh, c'est trop beau. Il est
Les fards Beauty Bay, franchement. Vous n'avez pas de frais de douane. Vous pouvez y aller. En une semaine, c'est chez vous. Je crois que c'est 25 euros et vous avez, à partir de 25 euros, vous avez la livraison offerte. Regardez-moi ce make-up. Attendez. Trop beau. Bon, allez, je finis de me maquiller, de me préparer pour la vidéo parce que sinon, je vais jamais filmer ma vidéo et je vous retrouve plus tard. Est-ce qu'on peut m'expliquer le principe du panier, s'il vous plaît? Ouais. Non, je crois que le panier, ça sert à rien à un moment donné. Hein. Bonjour, bonjour, on est... Je sais jamais les jours. On est déjà mercredi. Mercredi 12, il est 9h43. Je suis avec mon petit café. Je suis complètement explosée. Celui qui a inventé le café, merci beaucoup. Du coup, je suis déjà prête. Hein. Je passe le balai, fais les litières, ma douche, prends mon café, me réveille tranquillement. À 8h30, les petits chats m'ont réveillée, donc ça fait une heure que je suis réveillée. J'ai commencé la série, comment ça s'appelle ? Echo, sur Netflix. Je sais pas si vous l'avez vu cette série, je vais pas trop vous spoiler si vous l'avez pas vu. Je pense que c'est une ancienne série, parce que je suis à la recherche d'une série. Et si vous voulez un truc avec une intrigue, à la base, je vous dis juste à la base, premier épisode, enfin l'histoire du truc, c'est la disparition d'une sœur. Il y a une fille qui a une sœur jumelle. Je suis très nulle en explication, je suis désolée. Et sa sœur jumelle a disparu. Voilà. Donc. Mais en fait, ça nous emmène dans des trucs. Alors, si vous aimez les trucs où faut réfléchir, c'est psychologique, vous vous perdez un peu, vous savez plus finalement, tout ce qu'on vous disait, c'était pas vrai. Enfin, si vous voulez un truc à vous retourner le cerveau, franchement, regardez ça. Du coup, je crois que je suis au 3e épisode. Donc, il faut que... je crois qu'il y a 9 épisodes, un truc comme ça. Donc, voilà, c'était... ouais, non, c'est assez sympa. Et puis voilà, donc là je vais me préparer pour filmer une vidéo. Là, je suis contente, j'ai réussi à... J'ai un jour d'avance à chaque fois, puisque ce soir vous allez avoir la vidéo d'hier, que j'ai filmée hier, qui est les bons plans. Et hier, alors je vous en avais parlé en vlog, hein, pour celles qui me suivent, je crois que c'était quand le chéri était à l'hôpital. Ouais, il me semble, j'avais été contactée par une marque de vêtements pour choisir des articles. Et du coup, en fait, sans aucun suivi ni rien, le chéri hier est allé à la boîte aux lettres. Et voilà ce que ça donne. Je suis trop, trop, trop excitée. Je suis trop contente. C'est tombé. J'ai fait une vidéo mode, hein, essayage, vêtements, spécial printemps-été. C'est mon premier partenariat vêtements, donc voilà, merci beaucoup à la marque, je suis trop 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 contente. J'ai pas pris que des vêtements, vous verrez, donc du coup je vais m'atteler à ça aujourd'hui puisque c'est des vidéos quand même qui prennent un peu de temps, puisqu'il y a une partie où on montre les vêtements individuellement, il y a la partie où on les essaye, ensuite après au montage, hein, il faut rajouter les petites photos, les prix, les liens. Alors je pense pas du tout que j'aurai un lien d'affiliation. Je leur ai envoyé un mail hier pour leur demander si vous aviez un petit code promo ou ou s'il y avait quelque chose ou quoi. Donc j'attends qu'ils me répondent. Bon, en attendant, je vais faire la vidéo, comme ça vous l'aurez pour demain. Donc je suis trop contente, franchement, premier partenariat vêtements et tout. Ouais, je suis trop contente. Donc hâte de voir un peu ce que ça donne entre, encore une fois, les photos sur le site, hein, et ce que ça donne en réel. De toute façon, si la marque me répond avant la fin de ce vlog et qu'il y a un code promo, il y a des petites choses particulières, de toute façon, je vous en reparlerai. Et dans tous les cas, je l'aurai rajouté dans la description de la vidéo. Voilà. Donc, écoutez, aujourd'hui, j'ai ça à faire. Donc, ça va me prendre une bonne partie de la journée. Encore une fois, parce qu'il y a pas mal de petites choses, des vidéos essayages. C'est des vidéos que j'aime beaucoup. Hein. J'en fais pas beaucoup sur ma chaîne parce que j'ai pas les moyens de m'acheter des vêtements tous les 5 minutes. Mais là, du coup, je suis trop contente. C'est une vidéo qui prend un petit peu de temps et qui est en général assez sportive quand même. Donc, on va y aller tranquille. Et puis, voilà. Donc, je pense que ça va me prendre la journée. J'aurais voulu un peu plus de soleil. Mais écoutez, on va faire un peu avec ce qu'on peut.
Et hier, du coup, j'ai fait mon objectif hein, des trois petites tresses que je vous avais, dont je vous avais parlé hier. Voilà, je me suis motivée. Bon, au bout d'un moment, je n'arrivais plus du tout à me concentrer. J'étais vraiment pas bien. Donc, voilà, je me suis posée. J'essaye d'écouter mon corps et de faire, de faire en fonction de ce que ma tête est. Enfin, c'est surtout ma tête, c'est pas forcément mon corps, mais c'est surtout ma tête hein, me demande. Mais écoutez, pour l'instant, ça va. Je suis quand même très clairement détraquée, vu que c'est quand même un nouveau traitement. Donc je suis quand même très brouillée, mais en même temps, j'ai la motivation qui est revenue. Il y a des choses qui se sont améliorées. Et puis, bah, comme c'est le début d'un nouveau traitement, il y a des choses qui. C'est un peu compliqué à gérer. D'où ma tête de fatiguée, de toute façon. Mais en tout cas, je dors bien le soir. Je me repose bien. Et j'ai fait mon objectif des trois tresses, donc je suis contente. Je vais voir aujourd'hui en fonction de la vidéo, parce que la vidéo va me prendre beaucoup d'énergie aujourd'hui à faire. Donc si je fais pas de tresses aujourd'hui, c'est pas très grave. Je ferai demain j'essaierai d'en faire quatre. Voilà. Si vous êtes un peu comme moi, comme je dis toujours, marche par marche, on a le temps voilà, de faire les choses. Le principal, c'est qu'on prenne du plaisir à le faire. Comme on dit à chaque fois dans la vie, c'est pas le but qui est important, c'est le chemin parcouru qui voilà, qu'il faut profiter. Donc voilà, donc ça sera fini quand ça sera fini, il n'y a pas d'impératif. Je le ferai au fur et à mesure hein, et voilà. Et aujourd'hui, de toute façon, j'ai beaucoup de boulot. Le soleil commence à se lever, donc j'espère quand même que mais qu'il va rester avec moi au moins la journée, au moins pour faire ma vidéo, le temps que je fasse mes essayages et tout. Donc là, je vais aller me maquiller. Finir mon café. Et puis, bah, c'est parti pour la vidéo. On est jeudi, on est l'après-midi. Hein. Aujourd'hui, c'est journée de congé, on va dire. J'ai pas le filmé. Et puis, du coup, on passe l'après-midi chez belle-maman et on va manger avec elle ce soir. On a chopé un Too Good To Go à 2,99 €. On a eu du pain comme ça. On a eu des raviolis bolognaise de Turini. Ça, c'est de la marque Repère. Et on a eu 6 lots de fromage blanc comme ça. Et il y en a 4 à l'intérieur. Donc ça tombait bien parce que je voulais manger des yaourts. Donc pour 2,99 €, ça vaut vraiment le coup. Hein. Je vous en parle tout le temps du Too Good To Go. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sortie cette semaine sur les applications gratuites hein, pour faire des économies pour 2023. Et puis voilà un petit peu pour aujourd'hui. Bonjour, bonjour, on est vendredi, il est presque 8h30 sur le parking de chez Action. Je vais faire un petit tour hein, avant de faire mon haul Action. Voilà, je vais aller voir si je trouve la nouvelle palette. Hein. Je vais faire un petit tour, je vais essayer de vous filmer un petit peu. Et puis on verra bien si j'arrive à trouver la nouvelle palette. Je viens de rentrer et je voulais vous montrer. Regardez, regardez derrière moi le cerisier en fleurs. C'est magnifique. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a du vent. Regardez-moi ça. Voilà, je voulais vous le montrer parce que je trouve ça hyper joli. C'est le printemps, il y a les petits oiseaux qui chantent. Les cerisiers en fleurs, c'est magnifique. Il en faut peu. On a le lilas aussi qui est en fleurs.
Le lilas, c'est une de mes fleurs préférées. Je trouve que ça sent très très bon. Mais bon, j'ai pas envie de le couper à chaque fois pour en avoir. Mais le lilas, ça sent trop bon. Regardez-moi ça. Je viens de terminer de filmer mon relaxion. Je me suis maquillée avec la petite Star Ranch. Je vais vous montrer un petit peu mon make-up. Jeffree Star, franchement, il n'y a pas à dire. C'est vraiment de la bonne qualité. Du coup, là, j'ai fini le haul action. Il est 11h, un truc comme ça. Je vais le monter pour qu'il soit en ligne pour ce soir. Et dans la foulée, parce qu'hier, du coup, on a chopé deux Too Good To Go, en plus de celui que je vous ai montré en vlog. Donc, je pense que je vais faire une vidéo pour la semaine prochaine. Comme ça, ça fera un petit peu de retour de course. Et puis, si j'ai le temps, je filmerai une autre vidéo. Je vais clôturer le vlog. Bah, je vais le clôturer là, le vlog, du coup. Parce que bah là je vais faire mon montage de mon haul action. Je vais filmer une ou deux vidéos et m'attaquer au montage du vlog pour qu'il sorte demain à 10h, changer les draps, faire le ménage. Voilà, une bonne journée en perspective. Il est 11h mais il y a encore plein de choses à faire. Et comme ça ce week-end je vais me reposer un petit peu parce qu'hier soir j'étais très malade. Alors je sais pas si c'est dû au traitement. Excusez-moi, vous tremblotez parce que du coup je bouge avec mes... Je suis la tremblote. Je sais pas si c'est le traitement ou quoi, mais j'étais très nauséeuse hier. Donc voilà. Donc j'ai pas trop envie que ça recommence aujourd'hui. Donc j'essaye de faire doucement mais sûrement. Donc déjà le haul action, c'est la priorité pour ce soir. Et si j'arrive pas à filmer d'autres vidéos, tant pis. Mais au moins aussi m'occuper du vlog pour le monter et qu'il sorte demain à 10h. Et puis faire le ménage. Ça serait très bien. Changer les draps et tout, faire les lessives. Ben voilà, comme un vendredi à la maison, si vous me suivez, vous connaissez un petit peu les habitudes ici. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec moi, avec nous, dans ce petit vlog. Je ne sais pas s'il sera très très long. De toute façon, on se retrouve dimanche en live à 17h, comme tous les dimanches. Et puis voilà un petit peu, j'espère que la semaine vous aura plu au niveau du contenu. J'étais très contente d'avoir le partenariat pour les vêtements. Voilà, c'était le premier partenariat vêtements et je me suis éclatée à faire cette vidéo, j'aime beaucoup. Et ça vous a plu aussi, donc voilà. Merci du fond du cœur encore une fois à vous d'être toujours présents. Je vous embrasse très fort et à très vite.